Les miroirs de Compostelle, enfin seul. Extrait. L'année d'avant. Je voulais partir, respirer l'air chaud de l'été, renifler l'odeur de la pluie, transpirer par tous les pores de ma peau, me confronter à l'orage et voir les couleurs d'automne surgir sous mes yeux. Partir. J'avais 41 ans, ce devait être octobre ou novembre. L'automne, en tout cas, quand ma décision tomba, irrévocable. J'irai marcher, 3 mois. Il ne me restait qu'à choisir une destination. Dans un café des pentes de la Croix-Rousse, je retrouvais Mario, mon compagnon depuis 2 ans. Son regard était perçant, presque coquin. L'année prochaine, je pars marcher 3 mois, en août, septembre, octobre. Je lui annonçais sans embâge. Je balance souvent mes décisions sans réfléchir, sans préparer celui à qui je m'adresse. Le tour de l'Irlande ou traverser la France, l'Amérique du Sud ou l'Italie, les Alpes, enfin, je sais pas. En Asie, peut-être. J'adorerais. Ce ne sont pas les idées qui manquaient. Mario m'avait interrompu avec son léger accent sud-américain. « Pourquoi tout va pas à Saint-Jacques-des-Compostelles »« Ça va pas, non, pour marcher avec tous ces cons ?» j'avais répondu. « C'est vrai. De quoi me parlait-il ? Tout posé, tout rassurant qu'il était. J'aurais préféré qu'il encourage une de mes idées, au lieu de m'en soumettre une nouvelle. Il y en avait déjà trop dans ma tête. Je dis toujours non, d'abord, comme un réflexe. Personne ne décide pour moi. Et puis quand même, j'avais étudié la question. Qu'est-ce qui me gênait dans ce chemin de Compostelle ? Un, que tout le monde le fasse. Et alors, ça allait me poser problème de faire comme tout le monde, pour une fois ? Deux, que je n'y rencontre que des cathos et des illuminés. Mais si tel est le cas, cela pouvait être drôle, non ? Trois, la beauté du geste. Cela manquait de panache, Compostelle. Et mon orgueil, alors ? J'imaginais des auberges pour accueillir tout ce monde, des chemins bien tracés, toute l'infrastructure pour marcher l'esprit libre. Finalement, cela me paraissait facile. Et c'est cela dont j'avais envie. J'en avais déjà tant bavé en haute montagne. J'avais marché par moins 30 degrés, évité des avalanches, jeté mon sac de rage, fait la gueule à toute une cordée, sorti un ami d'une crevasse, chialé d'épuisement. Plus envie de tout ça. Juste envie de marcher. Je m'étais endormi avec toutes ces idées et c'est dans la nuit que j'étais passé de sceptique à résolu au réveil. Marcher vers Compostelle sur ce chemin-là et pas sur un autre était devenu une évidence. Dans mon souvenir, cela s'est passé ainsi, ou pas. Ce qui est sûr, c'est que j'avais commencé à me renseigner, à lire, à regarder par où passait le chemin, à quelle époque il était né, si c'était une mode, combien de paires de chaussures il fallait prévoir, s'il convenait de faire semblant d'être pieux pour être hébergé, si mon amie Sabine serait chez elle dans le Gers pour marquer une pause vers la fin août, et quand Mario avait ajouté, avec sa chaleur latine, « Si tout va à Compostelle, j'étais rejoint pour la 10e partie en Espagne », cela m'avait définitivement emporté. J'irai à Compostelle, avec tous ces cons.